Donc Aline, ce matin, on a parlé des tendances de la vidéo, des tendances de la publicité vidéo. Qu'en est-il des contenus sur YouTube aujourd'hui? Après l'humour et la beauté qui étaient deux grandes tendances de contenu sur YouTube, ce qu'on voit apparaître fortement cette année, c'est la science. Aujourd'hui, c'est pas sorcier, en fait, c'est un peu sur YouTube. Et notamment ePensée qui cartonne, qui fait des vidéos de 1 minute à 10 minutes qui expliquent simplement des phénomènes scientifiques très complexes. Et cartonne tellement qu'il a fait la première partie d'Alexandre Astier la semaine dernière à Bercy pour l'exoconférence.